Un nouveau pic de choléra a été enregistré ces dernières semaines à Kolwezi. Cette maladie liée à l'insalubrité progresse dans la province du Lualaba. Elle touche désormais plusieurs coins en République démocratique du Congo où l'on évoque des solutions radicales pour cette maladie. Malheureusement, les restaurants de fortune se concentrent sur la maximisation de recettes au détriment de la santé de leurs clients. Ces derniers temps, les clients ne viennent pas au restaurant comme tel. Il dit, nous sommes dans les services de restauration. On s'étonne, on est en train de jeter les immondices juste ici à côté. Mais la fois passée, c'était la mairie qui est venue jeter ces genres d'immondices. Mais nous avons des restaurants, là où les gens viennent manger. Comment on peut travailler? Regardez vous-même, comme on prépare juste dehors. On demande au gouvernement provincial de Lualaba qu'il jette un coup d'œil. La population appelle les décideurs à renforcer les mesures pour lutter contre cette maladie de main sale. Quand l'épidémie de choléra affecte la nourriture qu'on prépare juste à côté avec ses saletés, on va mourir. Ces gens d'immondistes, ça se jette trop loin. Il y a quelques jours, le gouvernement provincial, via le ministère de la Santé, a lancé une sensibilisation contre le choléra dont certains lieux des négoces ont été visités.